Bonjour à tous, comment il est? C'est Nono du groupe Kill Tear dans Soupçon. Traditionnellement, même, c'est le premier album que Kill Tear l'a produit. Parce que maintenant, nous produisons nous-mêmes nos bons albums. Nous l'avons fait 3 albums auparavant avec un producteur. Il avait donné à nous beaucoup de mains d'ailleurs, hein, que l'a aidé à nous justement à avoir cette place-là aujourd'hui et qu'elle a fait que, ben, voilà, nous l'a pu aussi. Et évoluer, avancer, faire connaître à nous tout ça là. Et d'ailleurs, mes grands merci à lui. Et après, ben, nous l'avons eu la possibilité, nous avons gagné, vol par notre propre puzzle, nous avons voilà, du côté financier, et puis produit notre album nous-mêmes. Et il était un manier aussi pour nous, pour montrer bonne, voilà, le bon groupe Maloya qui vient aussi, la jeunesse qui veut faire Maloya traditionnel, que c'est un affaire qui, voilà, il peut avancer avec ça. Nous ne l'avons pas obligé. Mélangeaï, comme dit Bana, et Bana dit nous comme, ah ouais, ben, si le rougail et tomate reste comme ça, de monument, on ne sera pas, il faut mettre ça dedans, il faut mettre ça dedans. Non. Même si on reste traditionnel, on reste roots, avec une bonne conviction roots, ben, on peut avancer comme ça, parce qu'on a la place pour tout le monde. Maloya, Maloya pas! Maloya! Ah! Était important pour nous. Tous les thèmes que Nana a dessus étaient souvent les pas choisis aussi par hasard, étaient parce que dans la période où ça nous était préparé l'album, où ça m'était écrit, le bon texte, c'est tout ce que l'arrivée en fait. C'est un peu les actualités. Voilà, dedans, on a un morceau par exemple qui s'appelle Maudit Sofa, où ça, voilà, où ça y parle d'un accident. On comprend un bouc qui boit et. Bah, il fait un accident, il tient madame, mais là, on comprend, on en a toute la famille derrière, on en a ça. On en a un bon thème comme la terre est en colère, où ça traite de sujets, où ça, voilà, il faut arrêter de polluer un peu, maman, il faut arrêter de la saleté partout, les biens et malheureux, et comment la Réunion, et les siècles et les montagnes, patrimoine de l'UNESCO, mais comme ça, bat carré dans la saleté partout. Donc, voilà, rien que pour ça, quoi, il faut arrêter de déconner un peu d'ici, voilà, être la saleté partout, on a plein de thèmes comme ça. Après, on a traditionnel même. Voilà, le titre, l'album même, c'est une réponse en fait qu'elle me donne. Parce que, je me rappelle, en fin de compte, nous étions déjà en studio, hein, nous n'étions pas fait le titre là vraiment, nous étions déjà en train de commencer à enregistrer. Et nous avons fait une réflexion sur le nom, le titre, l'album, et voilà, elle avait bon morceau aussi. Et nous avons fait un concert à la fois, bon, pas non. Et le soir là, bon, on avait plusieurs groupes, hein, plusieurs groupes, entre guillemets, de Maloya, qui a été écrit sur l'affiche. Et bon voilà, et en sortant de ce concert-là, un Mouni pose à moi la question, hein, parce qu'elle avait des groupes que justement t'écris Maloya, mais après elle avait des groupes que l'avait utilisé l'appellation Maloya, mais ben, elle avait mettre d'autres influences d'instruments dedans, et elle avait mettre d'autres influences de langue, tout ça là-dedans. Et le Mouni pose à moi la question, elle a dit, eh bien, si ça fusionne notre musique, tout ça là, et ça change, elle m'a dit, non, à nous là, nous reste traditionnel même. Et en fait, là, ben le titre, ça fait la résonne comme ça. Hein. Donc, du coup, et m'a dit ça, nous reste traditionnel même, t'es le frère. Donc, du coup, et voilà, comme sur la route. Et m'a réfléchi, m'a dit, ouais, en fin de compte, l'album-là, il sera aussi une réponse que nous va donner, qu'il tire pour le monde, et nous va dire ça comme ça. À nous reste traditionnel même. La pi bon paix, mais nous reste traditionnel même. Pas parce que nous n'avons pas fait autre chose, mais parce que nous aimons ça et parce que Maloya pour nous, c'est ça. Maloya veut dire musique traditionnelle de l'île de la Réunion. Donc traditionnel même, c'est voilà, la réponse, l'album là, c'est la réponse que nous avons voulu donner aux gens pour dire non, casse pas la tête, nous reste traditionnel même parce que nous aimons ça, parce que nous voulons transmettre ça à nos enfants. Parce que pour nous, Maloya, c'est pas juste un badam badadam, parce qu'elle a mis son nom dans l'UNESCO. D'ailleurs, il y a un morceau dans l'album, il dit, hein, moi, je ne vais pas attendre l'UNESCO pour dire Maloya, elle est sacrée, pour dire Maloya, il faut sauver. Nous jouons depuis tant petit, et Momo là dans nous carré là comme ça, et nous fait cuire carré là comme ça, par respect pour Momo, pour dire Momo, c'est que la fête est bon. Voilà, et nous veut retrouver le goût. Le goût là dans nous depuis nous les petits, nous veut retrouver le goût là nous. Et Maloya traditionnel, voilà, c'est le goût là, c'est le goût la terre, c'est le goût de notre enfance, c'est le goût bataille, notre famille, nos ancêtres, c'est le goût de notre histoire. Donc traditionnel même, après voilà, justement, quand ma soeur était dans ce concert là, m'a écrit, et Henri l'entraînement, j'étais les gars, voilà, les conditions comme ça.
Et voilà, tous les gars la causent ensemble, mais parce que voilà, nous, culture, voilà, c'est pas un book tout seul, hein, c'est pas Nono, ils décident tout, parce que non. Maloya nous sont allés, traditionnellement. Depuis enfants nous allés, traditionnellement. Samli nous l'a grandi, traditionnellement. Zadi nous continue, traditionnellement. Et dans le cabane nous sont allés, traditionnellement. En famille nous casali. L'album traditionnel même, il commence par un causement parce que dans Maloya et Kaba, surtout, hein, c'est aussi causé. C'est aussi causé. Donc, nous fait pas la fête n'importe comment, là, nous vient pas nous arrive, pas nous vole, pas tout, non. Nous cause un coup, après nous, on a fait. Et le causement, dedans, justement, il parle de ce qu'il faut nous sauve. Et que, voilà, Nadmoun, il trappe nos histoires, il vend, il change, et il change une bonne définition, il tient piment. Dans Rougaï Tomate, il appelle ça toujours Rougaï Tomate. Si on a piment dans Rougaï Tomate, il faut appeler un salade tomate. Il tire, comme il dit Bana, il tire bon mot dans bon piment, c'est un bon mot safran. Et puis il a eu justement l'été dans le période, parce qu'il m'a écrit aussi, comme m'a dit Talala, hein, l'album a été écrit dans le période où ça allait les événements là se passer, dont la reconnaissance du Maloya au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO, tout ça là, bien, comme m'a dit hein, dans le texte là. Mais il ne dit pas que l'UNESCO, c'est une mauvaise affaire, hein, dans le texte Cosmo. Hein. Dans le texte, il dit comment qu'il faut nous tient beau, il faut nous prendre garde, il faut nous défendre, ce que nous n'en a. Il faut nous défendre de monde prend, il faut nous défendre de monde transforme à lui, il faut nous défendre de monde sans son fond, sans son forme. Et à la fin, il dit, moi, je ne vais pas attendre l'UNESCO pour défendre à lui, je ne vais pas attendre l'UNESCO pour dire Maloya est bon, je ne vais pas attendre l'UNESCO pour dire Maloya faut sauver. Il est logique, parce que depuis tant petit, mon famille a monté ça. Mais il ne peut pas attendre. Un monde sort dehors pour dire mes enfants les jolis, pour trouver mes enfants jolis. Non, mes enfants les jolis depuis Yeneli. Vous comprenez là? Et le patrimoine UNESCO, ce que là se passait pour moi, en tout cas, et pour nous, Tchel, était un peu sale. Était que tant qu'il n'était pas patrimoine UNESCO, il était sale, il était ceci, il était cela, et les gars, nanana. Et tout d'un coup, vous comprenez, tu ne fais pas un compte, tout d'un coup, la mettez patrimoine, là où à toute la bonne collectivité, il vient, la région, le département, le ceci, le cela. Nazatis, tu ne connais pas Maloya, tu ne joues pas parce que ah, les gars, vous n'êtes pas musicien quand vous dites Maloya, ce n'est pas la musique ça. Et aujourd'hui, tout d'un coup, il fait Maloya. Pourquoi? Parce que la met l'UNESCO, et parce que le mot UNESCO, les gars, là, il sonne bien, subvention peut-être. Voilà, et dans le texte, voilà, et l'album, pour moi, en fin de compte, voilà, nous racontait un peu ça aussi. C'est que non, Maloya, il aime Ali parce qu'il est Maloya, il aime pas Ali parce que Némoun a dit où ça, il faut y aimer, non. Et donc, dans le texte, Cosmo m'a voulu commencer l'album avec ça, pour que les affaires les bien précisées, quoi.